Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va vous parler d'étirement. Vous avez mis votre corps à rude épreuve. Il est important à présent de l'étirer pour poursuivre le cours de votre journée. Regardez, nous allons vous donner quelques conseils pratiques. Vous avez réalisé le PAPS en randonnée, en trail ou en VTT. Voici les étirements que je vous propose. On va tout de suite commencer par s'équilibrer, saisir la cheville, ramener au niveau de la fesse pour étirer l'avant de la cuisse. Vous venez de terminer votre parcours de marche nordique. On va pouvoir passer aux étirements. Et on va commencer par les quadriceps. On attrape le pied au niveau des lacets, on met la main au niveau des lacets. On va fléchir légèrement la jambe gauche ou droite, peu importe. On rétroverse le bassin et on pousse le genou vers l'arrière sur l'expiration. Ok, on va essayer d'étirer gentiment les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Pour ça, on va amener le poids du corps sur la jambe d'appui ici, qui est fléchie, et donc j'écarte la jambe. Il y a une petite tension qui va arriver sur la jambe d'appui, donc elle va travailler un petit peu, et celle-ci va s'étirer. Donc l'intérieur de la cuisse, bien ouvert, au niveau du bassin, je peux prendre appui sur ma cuisse, et à nouveau, je respire. Allez, on inspire, on souffle, et on bascule de l'autre côté. Ensuite, on va aller étirer le psoas, fléchisseur de hanche. On positionne les deux bâtons devant. On positionne les jambes écartées l'une de l'autre à une ouverture largeur de hanche. On décolle le talon de la jambe de derrière. On fléchit les deux genoux légèrement. On va envoyer le bassin vers l'avant avec une rétroversion. Et on va contracter les fessiers et les abdominaux. Vous devriez sentir un étirement ici à ce niveau-là, au niveau de l'aine. On va en profiter pour enchaîner avec les mollets. On enfonce les talons dans le sol. On pivote le buste légèrement vers l'avant si on a besoin d'avancer les bâtons. N'hésitez pas et gardez le dos bien droit. On peut aussi utiliser les bâtons. On croise les bâtons et on va venir ramener les bâtons vers nous pour accentuer l'étirement. Ok, super. On va essayer de détendre les trapèzes. Donc pour ça, on va relâcher les épaules, relâcher les bras, relâcher la tête. Et là, en fonction de vos trapèzes, et ben, allez chercher différentes directions, des rotations, des inclinaisons, allez tout doucement mobiliser. Sentir du relâchement dans le haut du dos et dans le cou. On va ouvrir un petit peu le bassin pour en terminer. On va prendre une bonne inspiration. Allez, on se grandit, on tire là où on bloque et on souffle. On relâche, on détend la tête, le dos, les bras. Allez, quand c'est OK, on plie les genoux. On déroule tout doucement, on mobilise, on revient. Et voilà, la séance est terminée. On va terminer avec le haut du corps. On va positionner les bras au-dessus de la tête. On va fléchir les genoux. On va inspirer, on va souffler. On va étirer. On souffle, on va jusqu'au bout du mouvement. On fait attention de ne pas décaler le bassin. On inspire, on souffle. On revient, on va relâcher ici. On va bouger un petit peu les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Et on a terminé pour nos étirements.